d'administration, la cotisation 2015, et puis ensuite, ben voilà, on va vous donner à voir non pas notre rapport d'activité, puisque vous l'avez tous reçu, je pense, tous lu. Présenter une action dont ces jeunes font, en fait, pas que les jeunes, hein, non, font partie, qui s'appelle Parcours de réussite. Depuis quelques années, on travaille en partenariat avec les éducateurs, le club de prévention mise en œuvre, sur une action que l'on a intitulée Parcours de réussite. Notre mission est claire, c'est d'accompagner les jeunes à l'emploi, à la formation, tout en prenant en compte l'ensemble du contexte du jeune dans lequel il évolue. Les jeunes aujourd'hui rencontrent quand même des freins, ils ne sont pas forcément prêts et ils ont plein de compétences. Et du coup, il y a quand même des ateliers, enfin des freins qui sont récurrents, comme le logement, la santé, la mobilité aussi. Il y a pas mal de choses récurrentes qui reviennent. Donc l'idée à l'époque, c'était d'organiser des ateliers qui allaient répondre à ces problèmes-là. Et donc nous, des fois, on est intervenu par rapport à ces jeunes, plus sur du training d'entretien d'embauche, sur du CV, sur de la mise en place de CV. Et alors on a beaucoup travaillé sur du coaching, on a travaillé aussi sur leurs freins et sur la mise en valeur de leur qualité, de leurs compétences lors d'un entretien. Donc je suis arrivée à Horizon 9, mission locale. Ils m'ont appris beaucoup de choses, ils m'ont beaucoup aidé, soutenu quand ça n'allait pas, plein de bons conseils. Maintenant, j'ai trouvé un appartement, grâce à eux tous. Et j'ai un emploi depuis un mois maintenant. Et je suis très heureuse. Au début, je ne connaissais pas Horizon 9. J'ai été voir mon conseiller, M. Djilali, et il m'a dit que Horizon 9 existait, qu'il faisait des ateliers. Et après, j'ai connu Horizon 9 et leurs actions. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, on a démarré le tournage en janvier. On a suivi les jeunes qui étaient dans ce parcours de réussite. Donc, il y avait en effet Dylan, Christopher, Anthony, Jessica, Eva. Et on était là pour les ateliers, on était là... Pour les sorties, puisque nous sommes allés à Paris pour voir le match de Daouda, donc ça a été toute une entreprise. Peut-être avant de conclure cette table ronde, comme tu disais, qui n'est pas très ronde, mais on a quand même oublié d'applaudir Dylan qui a aussi trouvé un emploi. Ouais. Et aussi. C'est courageux parce qu'il passe son permis mardi, ça ? Mardi prochain, voilà. En espérant qu'il décroche le... Voilà. Donc Daïla, bonsoir à tous. Donc on va vous présenter sur l'équipe de Watronou le travail qui a été mené autour de la dynamique de quartier. Aujourd'hui, c'est sur le secteur de Beaulieu. Donc il y a des habitants qui sont présents. Des jeunes, enfin jeunes et moins jeunes, aussi le centre social qui est présent, et donc Bawele qui est éducateur chez nous. Ça a commencé il y a 2 ans, déjà avec le groupe de filles, on avait travaillé sur un projet de voyage en Espagne, où ma collègue Marjolaine, auquel ma collègue Marjolaine a participé. Un jour je faisais du travail de rue et j'ai retrouvé les filles qui étaient devant leurs habitations, et on a eu des discussions autour de leur scolarité. Donc l'objectif a été de mettre en place un atelier. Cet atelier nous a non seulement servi de travail autour de l'apprentissage de la langue, mais c'était un moment
sur lequel on s'est vraiment appuyé pour développer des actions au niveau du quartier. Bonsoir, je suis Jamila, je suis animatrice senior au centre social du Laboureur. Donc, Maboulé est venue me voir en me demandant si je pouvais organiser un karaoké pour un autofinancement pour les filles de Beaulieu. Et donc, comme on met en avant l'intergénération au niveau de Waterloo, donc c'était l'occasion aussi d'amener des seniors qui fréquentent le centre social à leur karaoké. Donc, on a fait une diversité de musique, aussi bien pour les jeunes que pour les personnes âgées. Donc, je suis la maman de Sophia. Et avec les autres mamans. Sophia, c'est la petite fille. Donc, nous avons aidé à la réalisation de leur autofinancement, donc à savoir leur concocter un repas qui se composait d'un couscous et d'un poulet basquez. Ben, moi, c'est Adonia. Adonia. Que j'ai intégré le groupe Réseau 9 l'année dernière. Et donc, cette année, on s'est concentré sur un projet autour de la langue. Donc, à travers l'atelier anglais, on a décidé de monter un projet de voyage. Et donc, autour de ce projet, en discussion avec Aoshia, on a commencé à émerger des idées de voyage, donc justement sur des pays anglophones, parce que c'était en rapport avec l'activité. Et donc, elle nous a justement parlé de Malte, qui est un pays multilingue, donc on parlait beaucoup anglais. Donc, on parle anglais, il y a moins de brouillard qu'à Londres. Ouais, voilà. Enfin, à Londres, on a déjà tous été avec l'école, c'est une ville assez connue en fait. On va sur internet, on voit des photos. Alors que Malte, on n'en parle pas souvent. Donc on a décidé de partir à Malte. On travaille aussi avec un partenariat sur tous les secteurs. On souhaitait aussi remercier tous les partenaires, les centres sociaux, la ville, ActiJeune, la mission locale, pardon si j'en oublie. Et aussi, rien ne se fait aussi sans le travail des éducateurs. Donc je souhaitais quand même vous présenter les éducateurs de Waterloo. C'est un grand secteur avec beaucoup d'énergie, beaucoup de travail en réseau, beaucoup de travail en partenariat, et puis une équipe qui est implantée et qui travaille à développer tous ces projets avec l'ensemble des habitants et des partenaires. Donc, c'est en 2011 qu'on a pu mobiliser un premier groupe d'habitants autour d'une manifestation qui s'est faite avec la condition publique. Et je leur ai proposé de monter le projet des 4 saisons. On était un noyau de 7 personnes au départ. Et on se disait que par rapport aux habitants, le panier des 4 saisons est très bien pour les familles. Parce que quand on va dans les magasins, quand on va dans les marchés, les produits sont trop chers. Parce que les budgets familiales sont très minces. Moi, je suis la permanente du comité de quartier Sainte-Élisabeth. Et cette action s'est déroulée en 2012. C'était donc le comment lutter contre le nourrissage des nuisibles. Alors pourquoi cette action? C'est les habitants qui commencent à prendre peur parce qu'ils voient la prolifération des rats dans les rues. Et pourquoi? Donc, en faisant le tour du quartier, bien souvent, on a vu qu'à certains endroits, il y avait énormément de pain. Donc, en fait, ce sont les habitants, enfin certains habitants, qui croient nourrir les oiseaux et en fait, ils nourrissent les rats. Donc, avec quelques habitants, on a arpenté toute la rue de la Noix, on a poussé la porte de toutes les boulangeries, on a recueilli plein de parasites. Et donc, les jeunes et les adultes d'Horizon 9 ont réalisé des puddings et on a donc distribué aux gens des petits morceaux de pudding, une dégustation de pudding, de thé à la menthe et de café. Et on avait également fait des recettes de comment faire le pudding. Et donc on a réussi à contacter à peu près 200-250 personnes. Nous avons réalisé 2 projets autour du vélo. Ce théâtre, on a commencé en janvier 2013. On est parti en Belgique sous une usine gelée. On en a fait au moins 6 séances où il faisait froid.
et on a tous tenu le coup. Et grâce à tous ces moments-là, ben, on arrive à mieux se découvrir et on arrive mieux à s'en sortir dans la vie. Au début, c'est vrai que pour ma part, c'était difficile un peu de m'intégrer car j'avais peur de la route et j'étais aussi la seule fille parmi tous ces garçons. Donc c'était un peu compliqué, mais on y est arrivé et ce projet a permis de créer beaucoup de liens. Car suite à ce projet, on continue quand même de se voir, d'entretenir des relations. Et la dynamique entre M et Roubaix lors de ce projet vélo était vraiment superbe. Et c'était vraiment un bon projet. Et si c'est possible, à renouveler, car ça a vraiment permis à beaucoup de personnes de s'émanciper. Voilà, ces trois tables rondes, ces trois témoignages vous ont montré comment on travaille à partir du projet éducatif. Là, effectivement, l'émancipation des personnes et le fait de la mettre en mouvement en tant qu'actrice, ça leur permet effectivement de régler finalement elles-mêmes certains problèmes et de se réengager vers l'avenir, leur propre avenir et l'avenir du quartier, l'avenir de la ville, c'est-à-dire en tant que citoyen par métier. Je suis originaire du Pas-de-Calais. Enfin, je suis né d'un Beaumont. Voilà. Hein, ça s'appelait Aliétard avant. Et je pensais que c'était déjà prends ta lampe, retourne dans ta mine et arrête de nous emmerder. Mais non. Non. C'était le passage, le symbole. Alors le Pas-de-Calais. On... Donc voilà, génération projet. Ensuite, il y a eu le mariage avec mon papa M pour faire Horizon 9 et pour faire ses équipes et ce club de prévention qui rayonne sur trois villes. Bravo, merci, je pense que ça mérite une standing ovation, comme dirait le prix.